Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Homsi 2. J'espère que vous allez très bien, moi c'est le cas. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'avais sorti un épisode sur une map qui était sortie assez récemment. Si je ne me trompe pas, Bad Karlstein. Sauf que la longueur de la vidéo a fait à ce que je n'ai pas souhaité m'exprimer dessus. Donc cette fois-ci, ça sera beaucoup plus court. Alors, aujourd'hui nous sommes avec un véhicule qui vient tout juste d'arriver hier. C'est pour ça que cette vidéo est tournée un petit peu en retard aujourd'hui. Mais je voulais absolument la faire avec ce véhicule. Priorité aux nouveautés. Si je vous dis Irvine, vous pensez certainement à un design de Citaro très particulier. Alors aujourd'hui nous sommes avec un Irvine justement qui vient tout juste d'arriver. Sur l'Emmental bien sûr, que je ne vous présente plus. Sachez que la livrée d'ailleurs est disponible sur le webdisk et suivant l'heure où vous regardez cette vidéo, la version articulée sera ajoutée. Alors pourquoi la version standard maintenant? Tout simplement parce que dans le dossier du véhicule, il n'y avait qu'un template blanc pour la version simple. Donc j'ai heureusement réussi à trouver quelqu'un sur le webdisk qui a déposé un fichier pour la version articulée. Donc cette livrée articulée arrivera un tout petit peu plus tard. Donc un tout petit peu de patience. Donc nous allons pouvoir partir à 13h10. Donc je vais me préparer. Alors c'est dingue, il y a pas mal de sièges, mais tout le monde reste quasiment debout. Et c'est parti. Alors je parle juste aussi pas trop pour vous faire écouter les bruits du moteur. Ça vous donne un aperçu un tout petit peu différent. Bon, au moins l'avantage, c'est qu'avec ce véhicule, l'entrée peut se faire directement par n'importe quelle porte. Ça, c'est un point positif. D'ailleurs, vous savez, ce design des 2 portes au milieu me fait penser à un autre véhicule. Ah voilà, le Citaro Capacity L. Enfin, plutôt le Capacity L, faut pas dire Citaro. Avec ces fameuses 5 portes, justement. Ça m'évoque un peu ça, justement. Alors, je sais pas si mes feux sont buggés, mais je vais vite checker si les... Non, ils sont pas buggés, donc ça va venir. Non, parce que sur certaines maps, j'ai des petits problèmes, je ne sais pas pourquoi. Les feux ne s'animent pas. Bon, ici, c'est pas un souci. Heureusement. Donc, ce Citaro Irvine est disponible donc en 2 versions. Comme je le disais un peu plus auparavant. Donc, version 12 mètres et version 18 mètres. Avec une soit en mode CNG, soit en mode diesel, vous pouvez choisir. Et il y a une petite chose par contre qui m'a un petit peu... Il y a une petite chose qui m'a surpris sur la version articulée. Que je peux pas vous montrer ici, mais que vous avez peut-être entendu parler. C'est au niveau de son articulation, je crois sur le modèle Ustra. Il y a un truc, je crois, qui ne m'a jamais autant perturbé. C'est l'articulation. Enfin, l'intérieur de l'articulation, parce que vous voyez, c'est difficile à vous dire visuellement. Bon, là, j'ai pas le bon modèle, mais si vous voulez,
les niveaux de l'articulation, enfin des deux côtés, ne sont pas les mêmes. D'un côté, c'est plutôt très bas, donc un peu comme dans un tramway, et de l'autre côté, c'est plutôt élevé, comme c'est le canon de cette originale. Donc, ce genre d'articulation comme ça me perturbe. C'est pas équilibré, donc soit pour moi c'est soit ben les deux niveaux soit en bas, sont en bas, soit au-dessus. Alors je sais que c'est pas évident à expliquer en parlant comme ça, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Au moins l'avantage, c'est que ça me permet d'appuyer que sur une touche. Donc le seul petit bouton moins qui permet d'activer le contrôle automatique. Ainsi, bah, la première porte, il n'y a pas vraiment besoin de l'ouvrir. Bon, en général, j'essaye toujours d'être un peu le moins loin. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette porte. Elle a un bug, elle a pas réagi correctement. Mais il n'empêche quand même, je trouve que ça, il a quand même une gueule stylée, mais c'est pas le meilleur, quoi. Bon, ça aurait été préférable que les feux, ah bah voilà, heureusement que je le dis, que les feux s'activent à la suite. Ça évitera d'avancer inutilement. Alors, en tout cas, il y a un truc qui était assez surprenant avec la sortie de ce véhicule. Ça s'est passé donc vendredi soir, donc hier, puisque si je publie cette vidéo aujourd'hui, c'était aux alentours de 23h40, quelque chose comme ça. Et à un moment, bah, je me suis dit, oh punaise, le véhicule est disponible. Donc, je le télécharge immédiatement et je peux vous dire que j'ai bien fait parce qu'à un moment, le webdisk a eu comme quelques problèmes de disponibilité. Évidemment, hein, bande de petits puceaux! Si vous êtes tous au même moment à vouloir le télécharger, ça va provoquer des problèmes. Et au niveau de problème, ça a failli être un problème. Mais bon, j'espère qu'il n'y en aura pas. J'aimerais essayer d'avoir une vue frontale si c'est possible. Ouais, pas facile quand t'as un véhicule qui est rempli pour arriver à voir devant. Par contre, je ne sais pas si je viens de voir un truc sur le pare-brise qui me surprend à l'instant. Je vais juste me mettre voir mieux. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il a là. Je vois une espèce de petite marque là devant. Même chose de l'autre côté. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, j'ai une petite idée. C'est
Ce sont les marques des essuie-glaces pour faire pour être plus simple. Parce que ça suit exactement leur trajectoire. Donc oui, donc je disais, le webdisk a eu un petit moment d'indisponibilité parce qu'évidemment, si tout le monde vient le télécharger en même temps, ça a provoqué un peu un court-circuit. Et je crois qu'en l'espace de 10 minutes, il y a eu à peu près 600 téléchargements. 600 téléchargements en près de 10 minutes. Ça montre comme quoi le véhicule était très attendu. Et c'est pas fait par n'importe qui, hein. MX Design, ça doit vous parler, je pense. C'est vrai que c'est surtout un qui se rafle toute la mission Instagram avec tous les likes, tous les projets qui diffusent. Après, c'est vrai que j'attends quand même un peu d'autres choses de sa part, comme par exemple les VDL, les CTA, les Scania Citywide dans d'autres variantes, justement. Alors. C'est vrai que si ça pouvait sortir aussi, ce serait un énorme point positif, un peu pour varier certains véhicules. Alors, juste un petit contrôle Anderreichet, 13h19. C'est à l'heure, parfait. L'écran de visionnage des portes n'est pas correct. Parce que les deux portes sont au centre. Les deux portes sont au centre et non pas disposées comme un Citaro classique. Petit point important. Par contre, c'est moi ou ces arrêts là sont extrêmement proches? Donnez-moi la distance qui les sépare. C'est comme si tu pouvais faire un race de bus. Alors pourquoi je dis un race de bus? Parce qu'en fait ça fait référence à une vidéo que j'ai regardée très récemment sur internet. Mais qui s'appelle race de tube. Alors qu'est-ce que race de tube? Alors déjà quand on dit tube on pense évidemment à Londres. Et évidemment le tube à Londres c'est le métro. Alors qu'est-ce que race de tube? En fait, c'est un défi qui consiste à sortir de la rame de métro, à sortir de la station, à courir le plus vite et à s'engouffrer dans la station suivante en reprenant la même rame de métro. Donc évidemment, c'est très sportif, faut beaucoup courir, hein, parce qu'un métro, évidemment, lancé à sa pleine puissance, va autant vite qu'un être humain. Mais c'est possible si on étudie bien le tracé, les chemins d'accès. Oh là, il y a un petit souci. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec les portes. Il y a parfois des petits bugs. Je vais essayer d'utiliser une autre touche sur mon clavier, enfin sur le panneau de contrôle. Enfin mon dashboard pour être plus précis. Pour voir si ça pourrait corriger le problème. Est-ce qu'il y en a quand même des qui veulent rentrer à l'avant? Non.
on y va. Alors sinon, autrement, si j'ai des nouvelles à communiquer, j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Ce que je peux communiquer, c'est quelques légères informations. Alors déjà, première information déjà, éventuellement au niveau des C2. Alors ils ont recherché des bêta testeurs. Donc ça, donc évidemment, j'ai postulé, mais pour l'instant, je suis en attente d'une réponse. Voilà. À vrai dire, je crois qu'ils doivent prendre un petit moment, mais en même temps, je pense qu'ils ont quand même reçu beaucoup d'emails, donc c'est peut-être probable que ça prenne un moment. Après bon, ça on n'est pas forcément sûr, je ne suis pas forcément sûr à 100% que ce sera favorable pour moi, mais disons qu'il faut essayer, on ne sait jamais hein. Ça peut toujours être possible. Ah merde, je me suis trompé, celui-ci s'arrête pas là. Quel idiot je suis. Je suis tellement idiot, mais bon. Après, c'est vrai que c'est un Schnellbus, donc il s'arrête pas à tous les arrêts. Mais bon, en même temps, comme je change beaucoup de map en juin, c'est vrai que je n'ai pas tendance à retenir les tracés de toutes les lignes, justement. Donc ça, c'est SB51. Par contre, le prochain arrêt. Alors, faut juste que j'essaie de me concentrer sur les baies. Parce que je me fais toujours avoir. J'adore comme la plupart des gens ici préfèrent rester debout que de s'asseoir. Mais faudrait que j'essaye de tester ce véhicule vraiment en vraie heure de pointe. Voir ce que ça donne, si c'est vraiment le overcrowded. Après, si je dois encore dire une autre chose au niveau du template, il est quand même assez simple, mais il y a quand même des petits éléments qui me perturbent, c'est que les faces avant et arrière ne sont pas de la même taille sur le template, donc du coup, ça m'a causé quand même quelques soucis pour faire la ligne, par exemple la ligne grise à l'arrière du véhicule. Ou encore, ben, par exemple, on peut voir un léger petit décalage avec le pare-choc avant, mais bon, ça c'est quasiment rien. Alors on va essayer de viser le bon quai, enfin la bonne plateforme. Viser le plus possible en face. Alors au niveau des temps, c'est un horaire plutôt correct, on va dire à 98%, donc 98%. Sauf que notre place de pause n'est pas ici. Voilà.
Par contre, je sais pas si c'est normal que ce soit aussi noir à l'intérieur ici. Attention, je ne suis pas raciste, hein, c'est juste que ce noir comme ça me... a une tendance un tout petit peu à me surprendre. Même si ça dit qu'il n'y a pas de USB 52 ici, je vais quand même aller à la place de pause quand même pour bien terminer l'épisode. Ah, décidément, les bruits dehors, ça m'énerve. Voilà. Comme ça, on peut terminer l'épisode. Alors, je vous montre juste encore quelques images de l'intérieur pour terminer. C'est vrai que, franchement, l'intérieur comme ça est un peu, on va dire, exceptionnel, quoi, spécial. Ça fait un peu plus tramway, métro, que l'intérieur d'un bus, justement. Bon, peut-être aussi parce que le modèle de siège est pas là un habituel, mais surtout parce qu'ils sont, on va dire, c'est aussi parce qu'ils sont longitudinaux, bon, je prononce mal, on va dire simple, ils sont contre les murs, voilà, donc pas dans le sens de marche, ce qui peut aussi donner un peu cet aspect métro. En tout cas, voilà, c'était un épisode très court pour présenter l'Irvine. Donc j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et d'ici là, on se retrouve très vite pour une évidemment une nouvelle vidéo. Je ne sais pas avec quelle map, quel véhicule pour l'instant. Ça sera décidé ben, seulement quelques temps avant samedi dans 2 semaines, voilà. Mais bon, bref. Voici une très bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine.